Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker un artiste dont j'ai pas eu la chance encore d'écouter sur la chaîne. Et on va le faire dès maintenant. Déjà je voudrais juste passer une petite vidéo de ce gars. Il m'a choqué sur ma vie, il m'a choqué ce garçon. Il s'appelle Abomey l'éléphant, ça vient du 225. Il fait dans le son il voit rien. Et voilà, je le connaissais pas et je suis tombé dessus et je me suis dit ça tombe au bon moment. Il a sorti juste un nouveau son derrière et je me suis dit que c'était parfait. Donc en fait il y a un gars, shout out Alma Mitimbo, il se reconnaîtra. Il m'a envoyé des petits extraits de ce gars et je suis tombé sur un freestyle gars. Il m'a choqué. Il m'a choqué, donc j'ai même pas besoin de parler plus. Je vais le mettre tout de Et suite. même si je tombe, tu ne m'attraperas pas. Vous plaire un peu comme de la barbe à papa. La plupart des gars qui me critiquent se cachent. Faut imiter le flow de monsieur Diva. J'ai niqué le rap, technique. Riche à le manteau au village, moi au Mexique. Inspiration dans mon corps, comment t'expliquer qu'en vérité c'est moi l'ange de la musique. Mais un peu seulement tu entends, je suis dans le Banks. Tellement tu entends, je joue les gangs. 225 kg de flow, je suis pas trop gros. Ton cœur est messe, non le rap, il voit ma famille à l'état. Il s'est brépé, si elle est pas de là à là, ça coûte de rap. Pas, je dis pas le celui. Est-ce que t'as déjà entendu pour moi, et si j'ai jamais entendu un gars aussi fort que ça. Franchement, freestylement parlant, je vais déjà juste mettre Donc sur. voici mon On petit va ami, passer. Jake. Salut les Et amis. en fait, c'est une dinguerie en fait ce Tout qui s'est passé. bonsoir. J'ai rien Oh, capté en fait. c'est des fleurs. Je suis J'ai rien fleuriste capté. donc. Je vais juste Ah, laisser passer t'es un fan de plantes. Et ben la papa pu aussi, t'as mes dit couilles quoi? là. N'en reste pas planté là. Faisons connaissance. Hop. Voilà, parfait. Fatoumata. Hop, on met au début. Fatou. Et voilà. Non, le freestyle il m'a choqué de fou. Et encore, vous l'avez en intégralité sur Insta. Enfin, je sais plus sur quel, mais en tout cas sur sa page Insta. C'est une dinguerie. Je suis tombé dessus. Je me suis dit, c'est tellement cohérent ce qu'il a envoyé. Le flow, la rapidité, la technique, les mots qu'il utilise, les punchlines qu'il a sortis. Je sais pas, tout était cohérent, tout était parfait. C'est un des meilleurs freestyles que j'ai entendu dernièrement. Franchement, et encore le truc il date, hein, il date de un an ou quelque chose comme ça. Et j'ai encore, je sais pas combien de temps exactement, mais en tout cas, il date de pas mal de temps. Et c'était de la folie. Donc je me suis dit, mais qui est ce gars? Qui est ce gars? Je me suis dit, est-ce que c'est extrait d'un son? Est-ce que c'est un freestyle pur? Il a envoyé des mots aléatoires, vraiment en mode improvisation, tu vois. Et je sais pas, mais j'ai pas vraiment trouvé. Et du coup, ben, je me suis dit, non, il fait du sale, c'est énorme ce qu'il a fait. C'est énorme, le freestyle était gigantesque. Je sais pas si vous avez entendu ce freestyle, si vous êtes tombé dessus ou pas. Mais en tout cas, moi, je me suis régalé, c'était magnifique. Je l'ai mis en boucle plusieurs fois pour capter comment il l'a envoyé aussi lourdement. Déjà, force à lui, parce que franchement, le freestyle était magnifique. Donc voilà. Aujourd'hui, on va checker un titre qui Fatouma. s'appelle exactement Doua Oudé. C'est Abomey l'éléphant. C'est toujours lui. Il a envoyé combien? 179 000 en 4 jours. Et je crois qu'il y a un petit invité surprise dans le clip. Et on va voir ça ensemble. Je pense que tout le monde, le connaissant, est déjà parti le voir, donc on va checker ça. C'est parti. Fatoumata Batouminyan. Le roi Iba, c'est lourd, hein? Il a fait une petite présence dans le clip, proprement, comme ça. C'est lourd, force à lui, hein? Son posé, tu vois. J'ai l'impression que ce gars est complet. Il fait un freestyle comme ce qu'on a entendu. Oh, ça part en rap. J'ai l'impression qu'il a un talent de fou. Digba. Putain, il pose bien. Oh, t'as entendu autotune dessus là? Ah, il était lourd. Quand j'ai entendu le refrain, je me suis dit il va partir en mode léger, tu vois. En mode léger, en mode il va se mettre dans l'ambiance. Mais non, tu vois, il garde quand même ce côté un peu street, tu vois. Tu vois, avec la prod.
il a un flow gigantesque, ce gars. C'est énorme l'image. Il a bien posé un Ibawan hein, quand même, hein. Il est pas resté juste 5 secondes et après il s'est barré, tu vois. Il a fait ça proprement force. Le son il passe bien, franchement rien à dire. Super bien, franchement. La prod elle est bonne, il y a une ambiance super légère. Ça sent le côté chaleur, côté été. Ça fait plaisir à écouter, franchement. Même le clip il est bon. Bon délire et tout, rien à dire. Le poste sera ça. Steven et tout. Terminé ou comment? C'est terminé. Donc voilà, on a entendu ce petit passage qui s'appelle Douaoudé, c'est ça exactement? Ouais, exactement. Donc on a Ibawan qui passe en invité surprise un peu dans le clip, ça fait plaisir de le voir. Et Abomé éléphant que je découvre aujourd'hui. Franchement, magnifique. J'ai hâte de voir ce qui... Là encore dans le gosier comme on dit, c'est de la folie. Ce gars là a une technique de flow que j'ai pas tellement vu ailleurs. Et il est plein de bon sens, il a des punchlines hyper cohérentes. Et il a une technique vraiment ouf. Le flow et sa technique, ça rend vraiment un truc de fou. Et j'ai kiffé, le son il passe super bien. J'ai eu peur que ça soit trop festif, trop ambiance, tu vois, un peu... je sais pas comment t'expliquer, tu vois, un peu l'ambiance trop légère, tu vois. Genre, il n'y a pas assez de... Un truc pour remonter, un peu le côté agressif, un peu street, un peu peurat, tu vois, même léger, tu vois. Et il a envoyé juste comme il fallait. Il a envoyé un refrain léger, mais il a envoyé les couplets un peu plus agressifs, un peu plus street, avec un bon flow, bonne technique. J'ai bien apprécié et lourd, franchement, rien à dire. La prod était bonne, elle était vraiment adaptée. C'est vraiment le son que j'aime bien, tu vois. Il y a un peu de chaleur, il y a un peu de technique. On kiffe l'ambiance qu'il y a autour de ce clip. Et j'ai rien à dire, hein. Franchement, le son est lourd. Et belle découverte de Monsieur Abomé l'éléphant. Digba, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai vu pas mal de t-shirts, de polos. Digba, label, tout ça. Donc en tout cas, force à lui, il m'a impressionné, que ce soit dans le freestyle ou dans le son. Il a touché la cible, comme dirait l'autre. Et voilà, magnifique, j'ai hâte de voir ce qu'il nous propose par la suite. Et voilà, c'est déjà des bonnes statistiques, 180, pratiquement 1000, 180 000 en 4 jours, c'est déjà pas mal. Et il a eu la force de Ibawan, franchement, lourd, et ça fait plaisir d'entendre du son frais, tout simplement, ça passe bien. Et voilà, shout out à ce gars, Abomé l'éléphant, allez le checker. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine, et ciao.